premier objet auquel je pense, ça va être sans doute ma guitare. Alors la guitare, j'ai commencé assez jeune, j'en ai pas mal joué, et bah écoutez, voici ma première guitare, hein, qui sonne comme un morceau de carton, mais qui a le mérite d'être historique pour moi en tout cas j'y tiens. Un second objet, je vais quand même penser faire une petite dédicace à mes petites filles qui sont petites et qui ont tendance à m'empêcher de dormir aujourd'hui. La lampe qui aujourd'hui mon plus fidèle allié la nuit pour gérer les réveils nocturnes. S'il vous plaît, laissez-moi dormir un petit peu les filles. Mon troisième objet, écoutez, je pense que je vais penser au vélo. Alors, j'ai pas pu ramener un vélo forcément, mais techniquement c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais le vélo quand même fait partie de ma vie. Alors en effet, je ne sais pas si vous avez peut-être même déjà remarqué les vélos Concept Imo, on s'est équipé de vélos pour nos déplacements. Bon, il y a un petit côté écolo là-dedans, mais il y a aussi un petit côté pratique. Donc le vélo, à la fois pour le travail, à la fois pour tous les jours, c'est top. Mon quatrième objet, je pense à l'appareil photo. L'appareil photo, alors je ne me dis pas spécialiste ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire de la photo. Et je pense qu'on s'en sert aussi un petit peu chez Concept Imo. On essaie de progresser tous ensemble, grâce à nos vidéos, nos photos, et puis passer du temps un petit peu avec toutes ces machines. Cinquième objet, je pense à un vinyle. Alors celui-ci est particulièrement emblématique pour moi, c'est un vinyle de Led Zeppelin. Alors, j'ai une petite collection à la maison et je suis assez. La musique, c'est plus important pour moi. Spotify, Deezer, très bien, mais on n'arrive pas à avoir comme cette qualité, ce grain que le vinyle peut nous procurer. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. À bientôt!